commencer. Merci. Pour votre présence comme toujours. Premier commentaire au remake 2000. Nous finissons cette semaine-là deux réunions. Mardi, moi et Rabine, mercredi, réunion avec le Badère 5-5. Et nous décidons d'accélérer le travail la semaine prochaine, à partir de la semaine prochaine, vers le dernier l'Assemblée déléguée du 22 mars. À partir de la semaine prochaine, donc, nous prenons trois réunions par semaine. Moi et Ravine, nous prenons deux fois la semaine, et plus même si nécessaire. Et la réunion hebdomadaire 5-5 pour continuer à parler. Donc, on accélère le rythme de travail vers nous l'Assemblée déléguée NMM du 22 mars. Nous finissons terminer par une discussion de la réforme électorale, dans les moindres détails. Donc, on rappelle que dans une position dans laquelle nous sommes d'accord, 62 députés élus comme maintenant par 20 circonscriptions plus Rodrigue, 20 députés élus à la proportionnelle à travers une party list système, une party list, la liste soumettre à la commission électorale avant l'élection en ordre prioritaire. Un seuil minimal de 7,5%. Et l'autre proposition de Ravine Jagnat, nous tombons d'accord qui sera la liste de 20 députés en ordre prioritaire. Il faut 50-50 hommes, madame. Il faut commencer par une madame. Ensuite un homme, ensuite une madame, ensuite un homme, il y a les mêmes comme ça. Je veux dire, par exemple, une partie, si à la proportionnelle, il y en aura 10 députés, et il y en a 5 madames, 5 hommes. Et la liste qu'ils nous soumettent, obligatoirement, une madame en premier, un homme ensuite, une madame, un homme, il y a les comme ça, tous les 20. Donc 62. Élu par 20 circonscriptions comme maintenant, 20 élus à la proportionnelle, il y aura une partie du système soumis avant, soumis à la commission électorale, avant les élections, et 8 députés choisis par 20 dirigeants officiels enregistrés, 20 dirigeants de parti ou d'alliance électorale officiels. Enregistré officiellement auprès de la commission électorale. C'est-à-dire, même du monde qui désigne les 62 candidats, même du monde qui prépare la liste de 20 en ordre de priorité, ça va même du monde là qui est enregistré auprès de la commission électorale, qui désigne 8 députés, toujours à la proportionnelle, après les élections. De façon à ce qui, si nécessaire, ça lui jouait exactement le même rôle que le best loser système. C'est un déséquilibre constaté à la lumière de votre résultat. Donc, ça, 8-là, il appelait, si nécessaire, à jouer exactement le même rôle que le best loser système, mais sans qu'il y ait un candidat et n'a dorénavant à déclarer cette communauté. En ce qui concerne la réforme électorale, nous avons terminé une bonne discussion toujours là. Et donc, tout les autres aspects de nos programmes électoraux communs. Parce que ça, dernière fois que tu fais une conférence, ça, en fait, ça me dit bien, il m'a ouvert une lourde, un point fort de nos programmes. Côté candidat,
votre discussion peut progresser. Finalement, certains développements inattendus ces derniers jours qui nous discutaient MMM, MSM, qui nous discutaient la semaine prochaine. Mais vous rappelez eux qui nous pas pour finaliser la liste des 60 candidats. Tant qu'élection pas une déclarée. Troisième point, un poste de responsabilité qui éventuellement le remède pour proposer. Président de la République, vice-président, speaker, député speaker, attorney général, chief whip et d'autres. Et surtout, ça va nous poser. Nous sommes d'accord entre nous, au niveau du remake 2000, nous sommes d'accord entre nous, lesquels parmi ça va nous poser là, pour remplir par le MMM et lesquels par le MSM. Mais ben, non, pas y finaliser à ce stade. Ce qui veut dire qui s'en a MMM vous propose pour le poste de président éventuel de la République après Kailash Payal, de même qui le poste de speaker, ça, il y a un problème interne au MMM. C'est MMM qui vous décide ça. Nous pouvons discuter, comme toute bonne décision qui nous prend, au bureau politique, au comité central. En d'autres mots, il y a un problème interne, pas lié à nous l'Assemblée déléguée du 22 mars. Si après un débat à l'intérieur du MMM, un débat interne, si nous ne paraît, nous allons annoncer, si nous ne paraît pas, nous ne pouvons pas annoncer qui s'en a nous présente comme président ou comme speaker, surtout, puisqu'il y a un problème interne, il n'est pas lié avec le remake 2000. Et me rappelle que pour nous, ça, il forme un tout. Nous les guettons globalement. Ça veut dire hiérarchie gouvernementale, plus un poste de responsabilité à être proposé. Président, vice-président, speaker, député speaker, attorney général, oui. Tout ça, le Bouguetli, nous, on les dit le MMM et le MSM, le remake 2000, le Bouguetli comme un tout, une équipe globale. Hiérarchie gouvernementale et un poste de responsabilité à être rempli. Deuxième point, White Paper Ramgoolam. Bon, nous ne sommes pas allés, nous discutons en détail, nous tombons d'accord en détail lors de la réforme électorale qui nous peut proposer et qui nous peut effectuer. Ramgoolam annonce à nouveau l'apparition de ce White Paper fantôme. Pour moi pas, mon Rédiali, pour moi pas, mon éplique, prendre Amin Ramgoolam, mon CIA, l'or, non, rien. Y compris réforme électorale. Ce qui expliquait que ce white paper, mon prévoit un flop à la Ramgoolam.